tous. Aujourd'hui, nous allons voir le Mondial Air Ballon. Le ballon, mais tout ça. Chambéry. Le Chambéry, avec mon chéri. Au cas où, chéri, tu regardes. Au cas où on va monter, on verra. Ah, magnifique. Ballonville public. Bienvenue. Beaucoup de souvenirs. Nous avons réalisé ce plus grand rêve, celui de voler dans les airs. L'histoire commence à la fin du 18e siècle en France, dans la petite commune d'Annonay en Ardèche. On raconte qu'un jour, se trouve Jean-François Pilatron. Physicien chimiste, il veut devenir le premier homme à voler dans les airs. Animé par sa passion et sa curiosité, il améliore la technique de faire un feu en proposant d'ajouter une nacelle sur le ballon ainsi qu'un dispositif semblable à un petit barbecue. Ce dernier permet de réchauffer l'air à l'intérieur de l'enveloppe pendant le vol. Le 21 novembre 1783, à 11h du matin, il monte dans une montgolfière avec le marquis d'Arlande et s'envole dans les cieux pour un voyage de 55 ans. Changer de direction, il faut savoir changer d'altitude. Thank you.
mouvement à une vitesse dont la rapidité va tomber au fur et à mesure qu'on sera en hauteur. Il va prendre également une autre direction et à peu près tous les 10-20 mètres. Et ce qui rafalait au sol et qui a rendu certains gonflements un peu costauds, hein, vous avez vu notamment le ballon qui tirait la voiture avec lui. Ce sont les derniers départs de la journée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube Miss New Branches. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Au revoir, à bientôt. Merci.